Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Alors les jeunes ont eu du mal à se mobiliser pour ce premier tour des présidentielles. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas des modèles pour inciter la jeunesse à aller voter? On va poser la question ce matin à l'un d'entre eux. Kylian Mbappé est avec nous. Bonjour Kylian. Oui, bonjour Madame Plébiscite. Et bonjour Monsieur 0% à côté de vous. De facto, je suis d'accord avec vos arguments. D'ailleurs, je ne manquerai pas d'aller voter pour les législatives en novembre 2023. Les législatives en juin prochain, vous voulez dire? Non, en novembre 2023. Hein? C'est la date des élections législatives en Espagne. Ah, quand j'aurais déjà gagné la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Bien sûr. Salut, c'est Raymond. Bonjour Raymond. Raymond Domenech. Bon, c'est juste pour dire que moi, j'ai voté Valérie Pécresse. Ah. Sur le bulletin, j'ai écrit « Valérie, veux-tu m'épouser ?» Je crois qu'on appelle ça un mariage blanc. Ouais. Ça me va. Ça me va quand même, je prends. Okay. Albert, veux-tu m'épouser? Non, pas tout de suite. Dommage, je peux attendre un peu. Les mentalités évoluent, on s'en fout du regard des autres. T'es une belle personne et ne laisse personne te dire le contraire. C'est je t'en beau. Veux même pas pour la victoire de l'Italie en 2006. Mais va faire en coulo quand même. Bel accent. Enfin, j'aimerais bien. J'ai plus de limites. Allez, on s'imagine bien ensemble. Bonne journée. Bonne journée à vous, Raymond. Chose insolite de la présidentielle à Roubaix. Karim Benzema a obtenu une voix. Vous en avez entendu parler ou pas, Didier Deschamps? Oui, bonjour. Bonjour, Didier. J'ai appris ça, Madame Cossuin. J'ai aussi vu que Giroud a carrément failli être au second tour avec 39% des voix. Wow. Et ses électeurs ont tout mis leur bulletin à côté de lui. Ah oui, c'est ballot. Non, mais disons... Un jour d'élection, c'est comme la liste des Bleus. On est 49 millions de sélectionnaires. C'est ça. Et comme pour l'équipe de France, il y a plein de candidats crédibles. Et puis, il y a Kurt Zouma. Non, sans trahir le secret, j'ai choisi un candidat empêtré dans des affaires dont le nom est associé à un scandale. Plutôt âgé pour le poste, mais dont le bilan est excellent. Bon, je vous le dis, c'est moi qui ai voté Karim Benzema. Ah. Coach, j'ai pas pu voter Karim. Ah, Franck Ribéry, bonjour, ouais. Ça faisait longtemps, vous nous aviez manqué. Vous avez... désolé, mais merci quand même d'être là. Vous avez voté depuis l'Italie où vous vivez en ce moment, non? Vas-y, Bouffon. Oh, bah d'accord. Pourquoi tu dis que je vive en italique? C'est à cause que j'ai les chicots de travers. Et même quand j'ai voté, j'ai pas compris. Il y avait 12 papiers. Alors qu'au foot, on n'est que 11 joueurs. Ouais. Et du coup, bah, j'ai mis un carton rouge à un joueur, Hidalgo. Parce que Michel Hidalgo, le gars, il a décédé de sa mort. Et après, j'ai shooté dans l'enveloppe. Oh là là. Mais Zarma, les buts, ils sont super petits. J'ai tiré dans la tête de l'assesseur. Ça s'arrange, ça va beaucoup mieux. Nous voilà rassurés. Bah, bonne journée. Bonne journée. Merci. Voilà. Bonne journée, Franck Ribéry. Sinon, n'ayant pas dépassé les 5%, Valérie Pécresse se dit endettée personnellement de 5 millions d'euros et a donc même lancé un appel aux dons aux Français. Mais quel teon intersidéral, Madame Gossuin. Ah, Nicolas Sarkozy. Bon, vous êtes quand même déçu de son score, j'imagine. Ah non, mais je m'en fous. Ah. J'ai pas voté pour elle. Moi, c'est vrai. J'ai voté pour Arthaud pour la déconne. Non, mais... Quel teon intersidéral de faire la manche, Madame Gossuin. Quand on représente un parti comme les Républicains, on se doit d'avoir un peu de fierté et on assume sa responsabilité en allant taper dans le sac à main d'une vieille milliardaire ou en piquant les valises d'un dictateur. Bah oui. Un peu d'amour propre, que diable. Donc là, elle lance un appel au don, c'est ça? Oui. Ben moi, je vote pour qu'on appelle ça le valeton. Ça sonne bien. Et puis, si vous voulez faire un don, vous faites le 36-37. C'est comme sa pointure en Louboutin. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est Nagui, bienvenue au Valeton. J'adore très moyennement l'idée. Le principe est simple. Pour aider Valérie à payer sa campagne qui a pas été terrible et un peu bof, mais également complètement à chier. Vous pouvez lui faire un don MDRLOLXPTDR. Si vous n'avez pas envie d'aider Valérie à payer sa dette de 5 millions, vous pouvez utiliser votre joker. Elle a qu'à la payer avec son patrimoine de 10 millions, la crevarde. Ou votre joker, elle a qu'à revendre le collagène de ses lèvres. Ou encore votre joker, je m'en balèque avec 1 million de ses bulletins de vote non utilisés. Ciao, ciao. Bravo Marc-Antoine. Oh, quel talent. Merci beaucoup Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebray sur RFM tous les jours à 8h15. La replay en vidéo sur Facebook. Et notez au passage que Marc-Antoine Lebray joue son spectacle à Auray le 13 mai. Et à Orléans le 20, voici Amir Rétine sur RFM. Il est partout ce Marc-Antoine.